Non, je vois. Et t'as essayé de voir pour le parc à Mobilo ou quoi? Le parc... Non, bah si, on avait été... Ah non, vous étiez pas là, c'est vrai. Vous étiez pas là quand j'ai été voir au parc à Mobilo. Bah non, en fait, c'est juste un truc à la con, t'as juste une réserve dans le front du parc, tu pouvais choper des trucs. Oh, c'est con. Ouais. Mais y'a pas de barrière, rien du tout pour protéger, donc... Oups. Tu construis une barricade à l'arrache. Petit bar. Le pauvre. Et donc, c'est aujourd'hui que nous recueillons sur la dépouille de soldats Petit Beurre. Ah, ça faisait longtemps que je n'ai pas mangé, ça fait plaisir. T'es sur live, du coup? Non, je suis pas encore dessus, attends. Charge, j'arrive. Quand même bizarre qu'il y ait autant de clipping et de problèmes de chargement, quoi. Par contre, mon gars, j'ai besoin de munitions, c'est juste abusé. Bon, ça va bien faire rire d'ailleurs. À un moment, t'as un survivant qui proposait d'échanger de la... des une caisse de munitions contre 5 trucs de nourriture alors que je suis blindé de bouffe. Et c'est... après, il te demande l'inverse quand, par contre, là, tu es blindé de munitions. À tous les coups. Ah, sympa quand même la nouvelle base. On va prêter le médical. Besoin d'un guide de survie de la nature. Ok. Alors ça c'est quoi? Survivant disparu. Chercher les signes d'activité. Et ça, chasse aux zombies. Et là, l'autre bout, qu'est-ce que c'est? Survivant nerveux aidé les moins fortunés. Ah non mais ça, ah mais non, ça c'est con. Mon gars, le mec, son groupe veut que le mec a cherché 5 caisses de munitions. Et comme il a la frousse d'y aller, il faudrait que je lui enfile. Mais il est taré quoi, 5 caisses de munitions. J'en ai même plus assez, tu sais. Genre j'ai que ça à faire quoi. Par contre j'ai aimé la petite description de zombies sauvages. Donc c'est-à-dire qu'il y a des zombies domestiques. Ouais, non, mais en fait c'est des zombies qui sont vraiment style animal quoi. Bah c'est celui qui m'avait sauté à la gorge l'autre coup. Ok, je vois. Bah tiens, au passage je vais créer un avant-poste ici. Que ça permettra que si une horde accourt dans les environs du camp, ça la fera cramer. Mais ça commence là. Bah et vous de là. Putain, elle avait combien de panquets là-dedans, sérieusement? Abusé, agression. Oh la vache. Vas-y, cours mon gros, cours. Tiens. Une famille. Allez gros, si je peux, je me fais plus chier, quoi. C'est vraiment trop chiant. Oh enculé quoi, je suis en train de me barrer. Putain, et pile à côté de ta base quoi. Putain, je me fais défoncer. Mais j'ai vu qu'en fait je pourrais augmenter comment le cardio de mes mecs à la base en construisant un truc d'entraînement, mais j'ai juste plus de place quoi. Il n'y a pas plus d'emplacement, pourtant machin est juste énorme quoi. T'as vu la taille du camp? Je peux juste mettre 4 trucs en face quoi. 4 trucs sur le devant alors que je les peins pas sur le côté et tout. Ouais, c'est vrai que c'est un peu con. Un peu, ouais. Ça fait bon. La place que t'as encore quoi. Tant qu'il n'y a plus de personne, avant-poste.
think we could hold this place. Should I tell everyone to pack up? Yeah. Tell the gang we're building an outpost here. Oh génial, il va falloir que j'aide un survivant alors qu'il y en a une horde qui passe juste à côté quoi. Ah oh, bah je reviens avec une bagnole. Je vais prendre le vieux pick-up de merde. Ah, par contre c'est moi ou t'as beaucoup d'avant-postes là? Bah maintenant je peux en poser 8 je crois. Ah ouais. Ah bah mal. Ouais 8. Alors je sais pas si c'est parce que c'est mon deuxième comment ça s'appelle, c'est ma deuxième base que j'ai, ou si c'est parce que la base est grande. Ouais, faudra voir, on prendra pour notre troisième. Par contre du coup c'est con, j'ai complètement perdu la première base. Bah je peux y retourner quoi, mais ouais, c'est plus qu'un avant-poste en gros, c'est ça. Non, même pas quoi, c'est juste une maison abandonnée du coup, enfin c'est une église abandonnée du coup. Ouais, là c'est pour moi. Salut Omi. Hey, are you in there? Numéro 3. I could use some food. Je pense que le survivant disparu, il en reste plus grand chose. Ah, pas forcément. Regarde, il est juste là. Ah, attends, je vois pas ce que j'ai... Le foutu décalage à cause du live. Ah ouais, il est là. Putain, mais comment il a fait pour survivre aussi longtemps? Je sais pas, que dans un coin. C'est ce que je te dis. Il a serré les fesses. Bon, allez, on décampe, hein, je suis avec une bagnole, c'est pas pour que dalle. Et lui, c'est pour une portière. Tout en marche arrière, parce que j'en ai rien à foutre, moi. Ah, il y a Obi-Ganesh qui dit peut-être que le mec s'était planqué dans le frigo. Pourquoi pas? Bah, au moins, t'es sûr que t'as de la bouffe avec toi. Hein. Bon après, tu vois ce que d'hypothermie, tout ça, bon on s'en fout un petit peu hein. Puis j'ai Ed qui est malade. Fait chier. Donc pour l'instant je le laisse. Il n'a pas l'air de vouloir se retransformer, donc bon bah c'est cool. Bon, je cherchais le guide de survie de machin truc et tout pour finir ma bibliothèque de merde. Et c'est une question de blindée ou tuer au frais. Indiana Jones a survécu une bombe atomique hein, comme ça. Mmh. Donc pourquoi pas des zombies? Pourquoi pas des zombies? Putain, attends, et tu vas aller chercher le guide de survie en territoire zombie? Attends, je le reprends avec moi. Non, c'est guide de survie dans la nature, ça. Il faut. Non, mais franchement, ils auraient dû faire la petite blague, tu vois, genre, tu trouves un livre qui s'appelle guide de survie en territoire zombie, t'es trop à déconner. Bah, c'est cool. Ce zombie là il est un peu dépressif hein, il est en train de frapper la tête. Oh, 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 il sort d'où? Waouh, dégagez de là. Putain. Allez, c'est une boule. Waouh. Couchez. Couchez, j'ai dit. Coup de genou. Box style. Je sens le coup de genou, ouais. Nice. Ah non, si, j'ai trouvé, d'accord. Bon bah dégageons de là, je vais pas rester là plus que nécessaire. Début prochain. Ah, oh, l'ibuprofène, j'avais déjà sur moi. Là, c'est un inventaire et un peu con quoi, j'aurais préféré un système complètement lié au poids que aussi que lié au poids et aux emplacements en fait. C'est un peu débile. À la limite les emplacements, pourquoi pas pour la voiture, mais un sac à dos. J'ai un sac à dos, tu fous tout et rien dedans quoi, c'est un four merde. Tu fais pas chier. Ah non. La place qui est là, c'est réservé au pistolet.
Tiens, j'ai utilisé un coup d'influence. Conseil de construction. So, how would you go about building this? Yeah, do it this way and you'll save a ton of time. Et voilà. J'adore ça. J'ai croisé les survivants et en fait, comme je les ai aidés, c'est un autre groupe si tu veux. Pas bien gros, quoi, ils sont 4 ou 5, mais comme ils m'aiment bien, j'ai obtenu un truc de radio qui fait que si j'ai un truc en construction, je les appelle et ça le construit automatiquement. Par contre, ça consomme 50 points d'influence. Wow. Alors, par contre, du coup, je peux faire comme cette bibliothèque. Rien, c'est pour la déco. Alors, besoin d'un jardin. Ah ben, permettrait d'améliorer les cultures dans le jardin. Permettrait de convertir la nourriture en carburant. Ouais. Rechercher une mine. Déverrouille la capacité de créer des mines. Ouais. Chargeant incendiaire. Déverrouille la capacité de fabriquer des bombes incendiaires chimiques. On cherche un stimulant puissant artisanal. Nous permet de créer des stimulants plus efficaces sur des réserves de médicaments. Ouais, c'est pas super utile en fait la bibliothèque apparemment. Hein. Mmh. Ah, putain, je suis couru dans les mains. Bon, ça fait joli, on va dire. Quoi que c'était nécessaire pour produire, je sais plus trop quoi. Moi, vitalité supplémentaire pour tout le monde. Tout le monde en a marre. D'accord, tout le monde en a marre des gros repas. Un système bibliothèque pour augmenter l'infirmerie. En quoi c'était bien ça. Ouais. Par contre, il te faut 42 ressources. 42 trucs de construction, ouais. Ça va encore. Bon, bah, il est temps de détruire un immeuble. Hein. Limite, c'est vrai qu'on pourrait éventuellement défoncer les maisons et puis voilà quoi. C'est vrai qu'il fallait les matériaux de la maison. Quoi. C'est peut-être un petit peu extrême. Ah tiens, le shérif il a disparu. Ah oui, c'est vrai que t'étais pas là non plus. Oui. Alors le shérif a défoncé le pasteur parce qu'il était malade. Et donc du coup, bah, j'ai foutu le shérif à la porte parce qu'après lui aussi il était malade. J'ai dit, bah, t'as voulu le tuer, bah moi je te tue pas, mais moi je te fous dehors. Ah putain. Aider à détruire un zombie sauvage, j'ai pas envie pourtant, il faudrait. Par contre, j'ai un cruel besoin de munitions. On va aller refaire un tour à l'armurerie et espérer qu'il y a quelque chose que j'ai loupé. Je veux changer de personnage aussi. Et je me demande pourquoi je ne l'ai pas fait. Ah bah il s'est soigné, Ed en fait, d'accord, entre temps. J'étais pas au courant, bon bah tant mieux. Bon, on va le prendre, tiens. Peut-être plus tard. Ah, et en plus, il a un pied de biche, c'est une très bonne arme. Ah, le con, il est en mission, quoi. On va prendre Jacob. Bah, dans ce cas, il se passe quoi, là, sur le... C'est quoi, ce point? Parler à Ed. Hi. Je sais que j'ai peut-être pas en tirer. Bah, si, t'es soigné, là, t'es plus malade, là, sur le truc. What the fuck? What's up? Vous pouvez pas rester là, ne perdez pas espoir à travers les sites. Je comprends pas. Pas grave. Le mec il a guéri quoi. Ouais. Les morsures dans ce jeu est... T'as une porte, ça c'est pas un virus, ça. Il marche une fois que la personne est morte. Tu sais, après, y a rien de fixé dans le marbre au niveau théorisons de vue, je sais pas quoi, étant donné que ça n'existe pas.
pas, voilà, y'a rien de... Donc ça peut très bien être une maladie qui est soignable avec des antibiotiques à la con, quoi. J'ai envie de dire, why not? Bah ouais, pourquoi pas. Putain, je l'ai one shot, lui. Par contre, le truc, quand il est mort, bah... T'es mort, quoi. Enfin, une fois que t'es mort, tu te relèves. Apparemment, ça a l'air de marcher comme ça. La fièvre te tue, et puis une fois que t'es mort, bah, t'es mort. Et ensuite, tu te relèves. Sit tight. Et un flingue. We'll see you soon. J'ai l'impression qu'en fait, si tu vides pas les bâtiments, t'as quand même des trucs qui se régénèrent. C'est ça, t'es un méchant zombie, affreux zombie. Oh là là, j'ai trop peur. Ouais, un petit coup de porte dans la gueule. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, tu ressens l'aspect un zombie tout seul. Ah, la pété, tu le flingues, tu t'en fous, quoi. C'est un zombie. Les doigts dans le nez, quoi, c'est qu'un zombie. Par contre, quand il commence à être 4 ou 5... Ouais. Là, bah, la preuve, les hordes, c'est quoi? C'est 7 ou 8 zombies, et quand tu en vois une arriver, tu te dis, oh merde. Voilà, bon, 5 caisses de munitions. Déjà ça. Ça permet de voir un peu plus loin dans l'avenir quand même. Ah, j'ai oublié de déposer mon flingue. Bon, Ed, on lui tire une balle dans la tête. Non, non. Lily est triste. Oh là là. Pourquoi Lily est triste? Elle perd espoir. Et tu sais, j'aime bien, c'est qu'en gros, t'as tout le moral général qui prend cher parce qu'il y a une seule personne qui a plus le moral. Bah tu sais, en même temps, quand tu veux aux communautés, surtout dans ce genre de situation, voilà quoi, je pense que effectivement c'est comme ça que ça se passerait quand même. Il y a tellement de place d'installer des trucs, quoi, vous faites chier. D'ailleurs j'adore, c'est sans, là ici c'est censé être un bâtiment pour réparer des camions, quoi. Tu les fais rentrer par où, les camions? Il n'y a aucune grande grille ouvrable. Bah, tu les fais voler? Certainement. Non, parce que j'aime bien les camps, tu vois, directement à côté des grilles. C'est pratique pour les zombies. Demande, t'as pas besoin de rentrer dans le bâtiment, tu vois, pour te manger. Juste aller dehors. Par contre, je sais pas censé à quoi est censé servir le carburant, étant donné que ça baisse pas. Ah non, c'est pour faire fonctionner genre tes trucs électriques. Ouais, dans j'y ta base. Ai pensé, mais je sais pas, il y a aucune installation électrique. Alors. Ah c'est ça, vous êtes des méchants zombies. Il te bé. Ah, monte à l'échelle, bordel. Il est hurleur en bas, quoi, sans déconner. Alors, inspectons. I'm up. I'll take a look around. Spotted something interesting. There should be some useful stuff there. Oh shit, check out that freak. Ah, ah oui, c'est le tribunal. Ça fait un moment qu'il faut que j'y aille à ce truc, mais... En fait, j'hésite à y aller parce qu'apparemment, les flics locaux, c'est devenu des abrutis complets. Genre, un coup, il y avait eu un message radio. Oui, je rappelle que malgré tout ça, machin...
le port d'armes reste illégal, tout civil vu avec un truc illégal. Il sera prévenu, ouais, et puis bon, il a deux jours pour remettre son arme à la police ou je sais pas quoi. C'est... Tu vois, c'est assez louche. Enfin, après, les militaires, j'ai trouvé louche aussi, puis pour finir, il y a des militaires qui m'a donné un coup de main. Avec qui apparemment je m'entends plutôt bien, je peux demander un tir d'artillerie sur une horde si j'ai envie. Ah ouais. Alors à mon avis, les premiers militaires sur lesquels t'es tombé, c'est eux, des trous du cul quoi. Non, c'était eux. Et c'est juste que je sais pas, il doit avoir des ordres et puis c'est tout quoi. Parce que pareil, ils voulaient aider un groupe de survivants, je sais pas comment ça se passe. Ah c'est bien, c'est que t'as la boutique de donuts qui est juste côté du service de police. Hein. Bizarrement. Au moins je sais qu'il y a un truc de police dans le coin et que donc je pourrais potentiellement aller chercher des balles là-bas. Il y a un camping quand même. Holy shit, check out that freak. Ils ont mis des hits. Ah c'est les zombies avec les. Comment ça s'appelle les trucs anti-émeute. Bah, ah ouais, je vois le truc. Une tenue anti-émeute. Je peux finir mon inspection, mais tu veux que je regarde quoi d'autre. Il n'y a plus de point d'interrogation. Ah, si, ben, ah ouais. Tommy Gunness qui balance le... Oh, le vieux cliché par rapport aux flics et les données. Bah, tu sais, c'est comme en France, enfin dans toutes les villes, même limite. Wow. Quand tu as une église dans un coin, tu as le bar qui est environ 100 mètres dans un rayon 100 mètres autour. C'est très con, mais c'est comme ça. Merde. Veuillez patienter quelques instants. La vidéo va reprendre. Veuillez patienter quelques instants. PS, j'aime la sonnerie de ton portable. J'aime ta sonnerie de portable. Ouais, c'est Ocarina of Time. Enfin, au passage, je reprends des petits beurres. Parce qu'on aime ça, les petits beurres. Miam, miam, miam. Mais arrête, j'ai quasiment rien mangé ce midi. Bah allez, on va au tribunal, hein. Ça fait 4 ans que je stream ce truc. Qui sait, peut-être qu'en fait ils sont sympas, que je m'inscris pour rien. Peut-être qu'ils vont essayer de me descendre. Ninja. Wow. Ninja. Yak. Alors là par contre t'as un zombie qui vient de te ninjatiser. Enfin qui t'a ninjatisé. Ninja. Même vous avez rien vu.
Bon, qu'est-ce que je me fais chier? Ah, mais ils ont carrément leur petite... leur petite cabane, quoi. Ils ont leur petit camp, comme moi, quoi. Leurs deux tours de garde et tout. Salut! Ça va? On est des citoyens et tout, je vois. Tranquille. Bonjour, je suis vivant. I understand the difficulties, Sheriff, but I don't know what you expect me to do about it. We only have so many trained officers left, and I'm not comfortable with the prospect of arming civilians for this kind of work. If you'd let me start training them, I... We'll discuss this later, Sheriff. We have a visitor. Welcome. I suppose you've heard our broadcasts? Well, it's all true. We have a safe, secure society here, governed by the rule of law. Walk with me. I'll explain. You have a society? I'm sorry, what exactly happened to the United States while I wasn't looking? Look around. We're facing a disaster of unprecedented scale. We have no way of knowing how widespread it is or how long it will take federal authorities to respond. Until they do, we have to look out for ourselves. It may not be the most constitutionally traditional succession, but it's all we have. All we have? The army's camped just across the river. Yes. And other than vaguely threatening radio broadcasts, they've made no attempt to contact us or provide relief efforts to the civilian government. Meanwhile, ordinary citizens like yourselves are living in fear. Fear of the dead. Fear of the criminal element that sees this as an opportunity to prey on their fellow man. Fear of the uncertain future of our nation. But it doesn't have to be that way. And of course, all firearms will be surrendered. Only duly appointed law enforcement officers are allowed to go armed. Right, right. Well, thank you very much for the offer, but we're doing just fine on our own. And I'm damn sure not surrendering my guns while the streets are full of flesh-eating dead people. I'm very sorry to hear that. We'd certainly prefer it if people joined us freely, before the issue has to be forced. Is that a threat? Just a reminder that the Wild West doesn't last forever. Bien menacé, pendant 30 secondes, j'ai cru qu'ils allaient enfermer mon mec. She's under a lot of strain. We're penned in pretty good by these things, like you might have heard. Ah oui, c'est ça, les flics dans ce genre de jeu sont complètement cons, quoi. Help me clear some of these problem areas out, and I'll vouch for you. Put in the good word. Bon alors écoutez, il y a des zombies partout dans les rues, mais bon, puisque la loi est que vous ne pouvez pas avoir d'armes, et bon, vous n'allez pas avoir d'armes, et vous démerdez sans, d'accord. Ah, si j'aide le shérif, il me dit que, il fera ce qu'il faut pour faire en sorte qu'elle me laisse tranquille, l'autre conne. Parce que c'est clair que l'autre, c'est la merde du coin, genre, et là, c'est Mother fucking Obama, personne, elle croit, sans déconner. Mm. Par contre, moi, je retiens le conseil de Miganox au cas où ça rate. Au pire, tu les tous d'abord et on verra par la suite. Ils ont des M16. moi, le truc le plus puissant que j'ai, c'est un vieux fusil de chasse de merde. Moi, j'ai envie de te dire, tu empoisonnes leur bouffe. Encore faut-il y accéder. Tu sais, décoller, tu sais, dans leur réserve. Tu sais, ils se plaignent. Ouais, le gouvernement, il a rien fait pour nous. Nanani nanana. Hein, les militaires, ils sont basés de l'autre côté, ils viennent pas nous aider, alors on a fait ce qu'il fallait nous-mêmes. Oui, c'est-à-dire piquer tous les policiers formés, les SWAT et compagnie du coin, les mettre autour de toi pour te protéger, et puis laisser les autres se démerder, quoi. Oui? C'est ça. Oui, oui. Bien sûr, tout à fait. C'est normal. Normal. Omeganox, je vois bien ce genre de situation en vrai. Allez, donnez-vous vos armes et vos balles. Tu les Attendez, veux... Si j'avais pas, je ferai pour les armes après. Tu les veux avec ou sans la douille? Après, si tu les veux, dans une caisse ou dans ta bouche? Je te garantis pas que t'en sortiras vivant. What happened? Well, oh non, ça y est, il a pris la voiture de toute la planète. Franchement, il faudrait la voiture Pizza Planet, hein, sans déconner. C'est trop puissant. Avec la roquette sur le toit. J'ai même un pote à moi, je crois, avec. Parce que je pense pas que ce soit un ami de eux. BUM! Dégagez les zombies! C'est là! BUM! Dans ta tête! Allez, toi t'en veux aussi? Voilà.
Bon, un zombie qui tape à une porte. Spum. Merde, il y a une heure qui se pointe en plus. Ça, c'est un camp qui a pas tenu. Mais c'est là où je pouvais construire un camp si je voulais. Attends. Ouais, mais ça fait petit, je trouve. Ouais, c'est pour ça que j'en voulais pas. Ah, t'as envie d'y aller, ce que j'en fais. Alors j'aime bien, c'est que t'as laissé ton pote au zombie. Ouais, il va très bien. Tu vois? Il va très bien. Alors est-ce que je peux voir un hurleur depuis les fenêtres? Sans en avoir deux. Alors j'ai découvert que le hurleur, je flinguais, mais en fait c'est pas forcément aussi nécessaire que ça. Quoi. En fait tu te jettes sur eux, tu leur donnes un coup, ils tombent comme des cons, ils ont pas de bras. Et Et puis après une fois qu'ils sont à terre, et voilà. Comme ça que ça se passe. Ah. Ah mais ta gueule. Ils sont vraiment pas plus nerveux que ça quoi en fait. Le truc c'est qu'ils attirent tous les zombies qui sont autour. Ready to go? Cause I am. So anyways, like half the town was already dead or done. The other half was trying to cram into the courthouse for protection. Mayor Carson had got himself shot trying to cross the bridges. City Council locked in the conference room and refused to come out. The police station was overrun. It was chaos. Judge Lawton stepped up. Got us all organized, kept people from each other's throats. So maybe she's not technically the law of the land. Ah mais le premier chaos lors d'une invasion zombie, c'est le pire. Ouais, il est en train de me dire qu'en fait elle est pas méchante et tout machin. Je veux bien qu'elle est pas méchante, mais elle me laisse mes flingues. Oui. Tu sais, je me doute qu'elle fait pas ça parce que c'est une terroriste la gonzesse, mais voilà quoi. Ouais, elle le fait pas forcément par bonté de cœur quoi. Ah merde, rejoins l'infestation suivante, je croyais qu'il fallait revenir au commissariat moi. Il y a Miganox qui demande si on compte se prendre The Last of Us qui sort dans une semaine. Moi je vais te le dire, Miganox, je l'ai déjà réservé depuis 2 semaines. Donc je pense que je vais l'avoir. Bah, d'un point de vue histoire, il est super sympa, mais c'est vrai que moi les jeux de zombies depuis Days, eh ben, c'est open world ou rien quoi. Ou bien c'est vraiment juste pour le lol. J'arrête for dead. Moi c'est les ambiances que j'adore. Moi je m'en fous du réalisme, simulation, tout ça, moi je m'en fous. Moi ce que j'aime c'est l'ambiance. Ah bah je veux pas qu'il sorte, ça serait génial si je prendrais, je me mets pas sinon. We're trapped. Lots of zombies outside and we're out of ammo. Don't know how long we can hold out. Sit tight. Help's on the way. Come on. We can deal with the rest of these infestations later. We gotta help those people first. J'aime bien, c'est quand même que t'as la radio de la radio générale, c'est dans un petit truc à pizza. Ah mais en fait tout le monde a un talkie. Tous sur les radios de la police. Bah c'est la radio d'urgence. Tu sais, t'as une fréquence d'urgence quoi. Alors Miganok dit, moi je dis, je fais par Naughty Dog, je très bon prix. Je dois avouer quand même que quand t'achètes un jeu fait par Naughty Dog, quand tu sais qu'ils ont fait la série des Crash Bandicoot, la série des Jack, la série d'Uncharted, tu dis que les gars ils savent quand même faire un bon jeu. C'est pas des branques. Gage de qualité, non. Mais... Oula, la voiture va exploser. Oh putain, ce mec. Putain, le con. Bah merci de m'aider. Vous savez, des fois, elles sont très bien. Des fois, vraiment de la merde. Finish it off. Finish it. Là au moins t'es sûr de pas te faire couiner par les autres visiteurs. Et en fait ça devait pas être le shérif, le mec en église, ça devait être le marshal je pense. C'est vrai qu'il y avait pas la tenue de shérif.
ce qu'on fait pour rentrer en commissariat maintenant. En revanche, j'imagine. Hey, you in there? Passage, profitons-en, profitons-en. Y'a pas de raison. Zombies up ahead. Go through or go around? Est-ce que je prends le sac à dos maintenant? Ouais, non, ça craint. Je peux même prendre le flingue, on sait jamais. This is good, right? I mean, it doesn't suck. Bon, c'est dingue à quelle vitesse il se fatigue, ce mec. Quoi, j'ai pas fini de fouiller ce truc, tu veux me dire? Arrête, je dois fouiller là, c'est bon. Ah non, l'étage, j'avais pas fait l'étage. Bah, dans la réserve, t'avais pas une... Si, si, mais en fait, j'ai plus de place, genre, donc ça sert à rien, quoi. Ah, ouais. Bah, tu peux pas demander à quelqu'un de passer et de chercher? Là, t'as l'armoire à munitions, là, non? Qu'est-ce que je voulais dire? Si, oui, je pourrais, mais comme c'est assez loin, je préfère le faire moi-même et éviter des problèmes. D'accord. Ouais, tu feras un aller-retour. En tout cas, a l'air d'avoir pas mal de trucs à fouiller, ici. Ouais. Damn it, people, how many times do I have to tell you? We need sentries watching the approaches. We're trying, but there's no good place to post sentries around here. I guess we're gonna have to fix that. La grange a besoin de fortifications. I'm headed out. You're going to burn yourself out if you don't come home and rest a little. On va y aller, mais d'abord... Tu pars sans tes potes. Hein? Bah chacun repartit ce soir quoi. Bon bah écoute hein, on se rappelle hein, on se fera un petit dîner tout ça. J'aime bien tu perds 5 points. Nous sommes entourés d'infestations puis après t'arrives, on gagne 5 points. Moi je suis content que tu sois là. Papa. C'est... Ah, ah tout va bien. C'est un peu ça ta team on dirait. Alors il va s'agir de combattre donc j'aimerais... Bah je vais prendre Marcus quand même. Le warrior, le seul, l'unique. J'ai quoi niveau matos? Snack, balle, charge déjà. Commencer. Ça c'est en bon état, c'est cool. J'ai plein de médocs et je risque d'en avoir besoin parce que j'ai pas envie de le paumer lui. Parce que j'ai encore des balles pour le fusil. Je sais même pas. 9 mm, ça c'est 9 mm aussi, encore. Que du 9 mm, putain ils font chier. Je n'ai pas des masses du 9 mm, je préférais qu'ils utilisent du 45, c'est con. Ah bah, il faut au moins charger en rap. Dans le doute. Ça va, niveau munitions, c'est pas non plus la dèche. Ouais. Ça dépend. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être mieux. Est-ce ironique que l'infirmière soit blessée? Assez, ouais.
Oups. Oups. Son Jack, le permis, tout ça. Allez. Ouais, bah c'est pas le permis zombie, hein. Ça compte pas. Salut, ce qu'on allait faire. On est que 4, je sais pas, je dirais 5. Allez, la voiture. Oh putain. Bah alors ça, Jack, pour réussir à bloquer une voiture comme ça, franchement, moi je t'applaudis. Oh, ben, bordel. Le bordel zombie, voilà, ça arrive. Mais fais chier, putain, d'un tunnel peur de merde, quoi. Ouais. Ben, reviens là. En fait, les mecs, vous avez pas un truc de munitions? Si, ils ont ça. Vous avez pas du 9 mm? Si, vous avez du 9 mm. Non, 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 9 mm. Oups, 45, ça devrait peut-être aller. Ouais, je vais peut-être leur rendre quand même leur 45. Voilà. Après tout, je vais les aider, y a pas de raison. No sweat. I'll help run interference while your people work. Yes, that's true, I owe ya. J'imagine, c'est genre vers la fin du jeu, en fait, t'as tellement d'influence que tu peux genre chourer toutes les munitions à tout le monde, mais ils te disent rien. Bon, écoutez, moi je suis votre dieu, donc vous me donnez toutes vos munitions, toutes vos armes, toute votre bouffe, tous vos soins, va crever. Hein. D'accord. Alors il y a The Snow FR qui demande si tu feras du Days ou juste du steak des quais. Ah, juste du steak. Ok, que du steak. En force perdu chauffeur. Pourquoi ça? Bon allez, j'y vais au cac. Hey. We got some trouble out by the shed. Not if you want to finish them tires. We got zombies harassing the guys bringing out the materials. Shit. Make that a lot of zombies harassing our guys. J'adore ça quand il fait ça. Son genou. J'ai pas eu snack, si. Tiens, mange un snack. Nom, le bon snack. Oh merde, y'a un gros. Laisse tomber les gros, c'est vraiment de la saloperie. J'ai toujours pas capté un moyen de l'avoir vraiment fastoche, quoi. Ouf! Gros con! Ah bah voilà! Ça marche bien! Par contre j'ai plus de bras, rien! Pas grave, maintenant je peux les réparer! Et Jean-Tram qui est à nouveau là! Ouais! Ouais! La foule est tentée! Regarde, ils sont tellement ouf les zombies qu'ils font du manège! Par contre t'as encore ta souris un peu au milieu de l'écran du jeu. Ah merde. On va s'occuper de ça un peu plus tard, pour l'instant je suis occupé. Ouais, je pensais que le manège du zombie. Coup de portière, coup de portière. Putain, mais ta voiture fait des étincelles maintenant. Ah bah là pour le coup fait des étincelles, oui. T'imagines, tu perds les 4 pneus de ta voiture. Je pense que ça avance plus. Bah, je me demande si c'est possible. Sinon ça roule les mecs, tranquille. Ouais, vous tapez sur des bidons, ça fait des bruits de bois, ouais. On tape dans le vent, on tape dans le vent. On tape dans le vent, on tape dans le vent. On travaille en arrière-plan. Trouble in paradise. God, don't get me started. So the other night we had protège a les ouvriers. Call, right?
Laisse-les danser la cucaracha. We were all free. So we raided the liquor department afterwards, just to be a dog, you know? Ok, tout à l'heure j'entrais, mais bon courage. So, yeah. We both drank more than we probably should, and there's this couch in the manager's office. J'aime les survivants. Ouh, sexe alcoolisé. Calling me around and acting like we're married or whatever. Donc l'autre nous parle qu'il y a un des mecs qui est survit. Il s'avait bien bu de ça, et puis voilà, il y avait un beau canapé dans le bureau du directeur et tout. Ah là, voilà, voilà, voilà. Putain, mais il y a ces masses de zombies là qui se ramènent, ça. Après, c'est clair, tu fais comment faire du bricolage en pleine invasion de zombies, dès que tu commences à taper sur un truc, t'as plus les zombies du coup, ça va bien. Olé. Boum, 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 boum. Bouché. Tiens, bouché. Hop là. Ah, le pied, c'est bizarre qu'il y a des fois ça marche tout seul, il y a des fois ça marche pas. Ce snow FR, non, il y a toujours pas de multi sur le jeu. Il y aura du multi que si le jeu marche. Enfin, s'il rencontre du succès, quoi. Parce que oui, il marche. Parce que Jackie. Oula, c'est pas sauvage ça? Si. Je peux pas dans une région, mais... Faut pas oublier non plus que Jack se fait toujours attaquer par l'univers des voitures quand il est en live. Hein. Il y a tout le putain d'univers qui passe à sa fenêtre. Je pourrais faire un petit bonjour. Voilà, et vous restez en haut jusqu'à ce qu'il meure. Turn around, walk away, and forget you ever saw this place. Huh? Wait, who's Alex? Forget it. We're not interested in signing up with a little society. Vu comme il leur emballe. Everybody's out to kill us and take our stuff. It doesn't take everybody, just one. All right, we'll go. We're not here to pressure anyone. Stay safe. Hope you're keeping your nose. Ah non, on avait dit qu'il était parti avec son fils, sa femme et tout, donc je sais pas. Si si pas, si si pas. Bah j'y repars avec ma super bagnole en super état. La 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 la.
remarque, ce sera l'occasion de tester si effectivement ça serait pas. Par contre, il y a un truc qui est con sur les bagnoles que tu gardes aux emplacements. De temps en temps, t'as tes mecs qui peuvent les prendre pour faire des virées. Et souvent, bah du coup, ils les laissent. C'est vrai que c'est pratique, quoi. C'est vrai qu'on a que ça à foutre, aller chercher toutes les bagnoles de l'univers. T'as une voiture de sport, t'as une voiture de sport. Putain, c'est Bumblebee en plus. Ouais, bof. Ensuite, il y avait un truc de chasse ou... Je vais voir, je sais ce que ça donne de construction. 14h14. Ouais, j'améliorerai le labo médical quand même. Ça paraît être une bonne idée. Alors, où est-ce que je peux trouver ce qu'il me faut? Quoique... Zombie sauvage, pick-up de terrain, site de construction... Comme pour l'instant, je sais pas trop. Ce que je vais faire, c'est que je vais dégager la station service qui est juste à côté pour en faire un poste de garde. Enfin, un poste de garde avant-poste. Bah, chasse aux zombies à laquelle je pensais aller, elle vient d'expirer, c'est cool. Ah mais l'autre crétin qui a l'autre bout, quoi, fait chier. Je crois que j'ai été obligé de le taper à ce bouffon qui se fait maltraiter. Ah les médocs, c'est bien ça. Ouais, 3 stocks en plus, hein. C'est pas mal. Merde, c'est de la bouffe. Il y a des stocks de bouffe et tant que les bâtiments sont pas vides, tu peux pas les utiliser comme avant-poste. C'est ce qui me fait chier. J'ai beaucoup trop de bouffe. Exactement. Bah, tu sais quoi, j'ai des munitions. Je vais aller. Lui donner à ce crétin et puis on verra bien ce que ça donne. Ça me fait chier quand même, quoi. Cardio niveau 5. Yeah! I'll check this out next. Keep your eyes peeled for infestations. Après tout, j'ai trouvé le truc des flics où il y a plein d'endroits où fouiller, donc ça veut dire qu'il y a peut-être beaucoup de trucs de munitions à prendre. De toute façon, jamais. On verra bien. I've been thinking, you're so good at surviving out there. It might be a good idea if you train some of the rest of us. Tenez, vous conseillez comme ça entraînement au combat. Après. C'est vrai que le Jacob il en a bien besoin ce con parce que c'est pas qu'il est complètement useless à moitié mais... Tu sais je le prends, je joue avec pendant 10 minutes, il est déjà complètement crevé le bus. Mais ça va, il n'y a pas de rendissement là. Ça a l'air d'aller ouais.
je suis là. J'en suis qu'à là. Ah, fais chier. Bon, hors piste. Hors piste. C'est con, je peux pas péter les barrières, donc du coup t'es obligé de contourner tous les champs des fois. Taïo. Ah c'est sûr c'est pas un tout terrain que tu as. C'est sûr que la physique est pas non plus au top. Montez où crétin des îles. Hey, c'est pas le la grange des glandus là? Si si, bah apparemment elle a l'air d'attirer du monde. Yeah, I got that impression. Come on, follow me. Essaye du con quand ça va. Ok. Oh pip. C'est quoi, ils m'ont fait chier, j'ai donné des munitions, et eh ben je prends leur muscle car et un a pété. Voilà. Tiens, avant de retourner à la base, il y a un survivant qui était mort l'autre coup. C'était pas un des miens, c'était comment c'est des indépendants on va dire. J'ai aidé un de leurs potes et puis quand on est rentré, bah les mecs s'étaient fait bouffer par les zombies. Du coup j'ai récupéré le récupéré mon boss. Et pour comme l'humanité. J'ai pas eu l'occasion de repasser prendre le sac de minière des affaires du gars, on va faire maintenant. Je suis qu'on y est. Putain les gars, vous déconnez, c'est ma PS3. Sit tight, I'm bringing this stuff home. We'll see you soon. Par exemple, les deux bagnoles, la bleue et puis la muscle car qui est sur la gauche, c'est des bagnoles que peu de survivants ont pris pour aller faire un tour et puis aller à la côte. Ah bah d'accord. Ils ont pris pour faire 50 mètres et puis ils sont rentrés à pied. Normal. Bon, c'est bon. Je suis déjà allé en voiture pour aller, je vais faire 5 heures pour le retour. Hein. Faut pas déconner. Oups. C'est con, c'est que comme le rendu conduit pas, tu peux pas comment partir. C'est mal, c'est quand t'arrives sur les ventes, je peux peut-être choper une bagnole si jamais rien intéressant. Mais je peux pas. Ça aurait été une option de jeu intéressante. Bon ça va, il y en a déjà pas mal donc d'autres options intéressantes. Ouais mais ça aurait pu être mieux. I'm almost there. Ah, pas fou, j'ai de... Faut que j'apprenne à jouer comment on utilise un flingue.
Alors... Salut Jacob. 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 Je peux parler à personne, qu'est-ce que c'est dire. J'ai pas d'inventaire. Ok, je suis normal. La base là, alors je suis rentré à la base là. Ah d'accord, c'est ouais. L'autre con a planté, il est là ouais. Genre coucou, allez on rentre à la base, allez viens. Non, je veux pas rentrer à la base, je veux pas, non, je veux mourir. Laissez-moi crever. Ah, j'ai pensé 5 caisses de munitions pour le choper, cet abruti. Come on. You're carrying this. This is wow, this is a lot of ammo. What were you planning to do with this? Just follow me and stay close. I'd rather you didn't get eaten. Ah, attends, faut que j'y retourne pour redonner les munitions. Donc, peut-être que les mecs quand on va revenir, ils sont fait bouffer, puis du coup, j'ai quand même gardé les munitions, j'ai peut-être même récupéré les leurs. Ça c'est pas être un gros crevard. Quoi? Oh, attention les gars, ils sont peut-être morts. Alors comme ça, bah j'ai pas leur donné de munitions et tant que j'y suis, je vais prendre du leurre. Comme ça, ça sera pas perdu. Attends, on est en pleine infestation de zombies, hein. Déjà, je rappelle. Et ils voilà. Les zombies. Non mais en plus c'est vrai que c'est des connards. C'était des connards. 5 caisses de munitions, ça représente beaucoup, tu sais. Les munitions sont pas utilisées forcément plus que ça, à part en fait, une part quand tu upgrades la tour de garde, si tu fais de bêtises pour certaines upgrades. Et si tu fais pas les missions de chasse aux zombies, et comment ça s'appelle ? Des infestations, le mec qui devait s'en occuper, bah, s'en occuper tout seul, et parfois ça va juste faire baisser ton moral, ou ça va te faire consommer une caisse de munitions. Ou deux. Comme c'est des missions qui sont chiantes à faire et dangereuses. J'évite vaguement, quoi. Surtout c'est chiant, quoi. Il y a tellement de trucs à faire avant, quoi. Je ramène au redneck là, notre tribune. Ah, un petit courant d'air. Ah, fraîcheur. Ah. C'est du bien. Où sont les bouseux? Here. And what the hell is this? The rest of the ammo you're owed.
That should clear up the gap. I mean, you boys didn't have a bullet here. This is from your stock, isn't it? Don't be an idiot. Why would it be from their stock? Does it clear the debt or not? Yeah, bullets are bullets. Don't much care. Ah bah merde, ils sont pas morts. You can tell your sweethearts their debt's settled. The hell'd you do that for? I don't even know what to say. Thank you. It doesn't really cover it, does it? Forget it. You do the same for us. Well, yeah, I guess, but you couldn't really have known that. Bon, il se casse. Et du coup, j'ai perdu 5 caisses de munitions. Bon bah, fallait en récupérer. Ouais, exactement, parce que là, il me reste plus que 3, quoi, c'est un peu léger. Dégage de là, sac à pouf. Sac à pouf. Ouais, j'ai croisé sac à foutre et patapouf. Ouais. Yeah. Trop de swag. Ouais. C'est Antoine à l'infestation. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? T'as qu'à aller les infecter toi-même, tu verras. Ouais, par contre, c'est pas quelque chose, c'est pas mieux. Putain, il y a un zombie, il a volé. Comme ça, on va être là. Ouais, c'est à la maison. Manque des radios quand même. Hey la tienne. Allez. Depuis un moment, où il y a plus qu'il obtient. Il y a pas quoi d'observation ici. Espèce de porc à dinosaure. Un nouveau point d'inspection. De notre climb, il y a une putain d'échelle avec des trucs partout. Gonna take a look around. There we go. That's not a normal zombie. Spotted a weird one. Got a horde over here. That's not a normal zombie. Inspection terminée. Ça, je repars avec un magnifique pick-up qui envoie du bois. Ouais, ça va faire 2 heures qu'il est en train de bouffer, 1h15. Et il devait avoir très très faim. Ah bah ça, pour avoir faim. Bon, sinon, attends, peut-être qu'il a zappé, je vais aller le faire chier, attends. Quelle bonne idée. Je vais faire sonner son PC, il va être
T'es en train de se dire putain mais merde, je suis pas de mon PC, mais il me faut chier, il me fait chier Jack, je les emmerde tous. Et moi je me suis emporté tout ça. Ça paraît un camion pompier en feu si c'est pas ironique. Merde, j'ai raté le truc de flic. Caisse de munitions, ça fait plaisir. Un fusil à pompe, ça fait plaisir. Une mine, why not? Bon bah il a l'air d'être décédé Dark hein. Bon là dans l'ordre médical. Mais remarque j'en ai besoin. Rien du tout, génial. Things are starting to sound pretty urgent. I don't know how long our friends can hold out. Do what you can. Got this place locked in. Un 357 McDom. Parfait. Voilà. J'avais plein de balles 357, j'ai plus quoi en foutre. Et ben voilà, j'ai trouvé ce que je vais en faire. Je vais leur mettre dans le cul des gros saloperies de sac à merde. Attention là, ça va chier. Parfait, parfait, voilà. Là on commence à causer là. Une fusée éclairante, qu'est-ce que je fous avec une fusée éclairante, sérieusement? Bah au cas où il y a des monstres d'Alan Wake qui débarquent. Ou non je sais, les gros porcs, je les fous sur le dos et après je les remets dans le cul, ça fait un gâteau. Un gâteau dégueulasse, mais ça fait un gâteau. Et après comme ça tous les zombies vont se mettre à chanter joyeux anniversaire et pense-toi là tout tu leur prends le cul. Quelle idée. Ouais. Word around town is you're making quite a splash for yourself, my friend. You might not know me yet, but I think the two of us could do each other a lot of good. Why don't you come down to Marshall so we can have a little face-to-face chat? You know anything about this Gray guy? Yeah, he's kind of a local big shot. Owned a bunch of businesses in Marshall, served on the county commission, that kind of thing. A lot of people used to say he was crooked, but nobody ever proved anything. All I know is when my dad's insurance wouldn't cover my treatment, Ray shows up at our place one night with an envelope full of cash. Tells my dad not to worry so much. Just remember me in November. It was $10,000. That's a lot of money for a county commissioner. Yeah, well, I don't know where he got it, and I don't really care. Ray's a good guy in my book. Le mec, jusque-là, les méchants, en fait, sont avérés plutôt gentils, et les... Donc j'imagine que ceux qui ont l'air plutôt gentils doivent être en fait méchants. Ah,
grande réflexion. Don't say I never gave you nothing. Allez, je pose le shotgun, je vais aller au 357 McDo. Elles sont mes munitions de 357 McDo. Voilà, là, on va rigoler là. Parce que j'ai un peu m'occuper quand même de désinfecter les alentours, vu qu'apparemment ça a l'air de quand même pas mal préoccuper les gus. Ah oui, j'ai un surveillant disparu aussi dans le tas. J'avais oublié ce coin-là. I'm headed out. You're going to burn yourself out if you don't come home and rest a little. Ah non, encore mieux que ça, c'est une horde qui passe juste à côté, génial. Anybody home? Time to move on. Hello? Ah bah yeah. Guess I should have expected somebody'd miss me. I owe you one. Let me come with you to watch your back. Least I can do. Nice. Bon, là c'est cool. Manifestation, occupons-nous-en. Alors que mon personnage vient de passer en mode fatigue. Plus plus Omega Nox, c'était pas déjà parti. Quoi ? Et Omi qui se barre. Ah bah la plus Omi. Lâcheur, traître, dégage. Oh ça y est, maintenant il se joue de jeu le taxi. Ah t'as vu. Bon alors je vais m'occuper maintenant, sinon je vais m'occuper plus tard de toute façon. Allez, approchez, on sortez. Il y a leur rapport tout le monde, vous en faites pas. Tu as demandé un taxi ? Pom 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 pom. Ou comment nettoyer une maison infestée de zombies ? Voilà. Avoir une voiture, avoir une barrière. Savoir faire la marche avant et la marche arrière. Ça demande du skill, hein. Et c'est le strike. So, we've got a visitor. One of Job Wilkerson's guys. What does he want? Something about a favor. I don't know, just hurry home, okay? I don't like the way he's looking at me. L'œuf mystérieuse. Rodjin. Oui, tu dis Rodjak, mais puisque c'est moi qui lis les messages, c'est moi qui répète. Aïe. Bonjour.
Harry is secure. Cher comme il fait, Harry is secure. Après avoir enfoncé son pied de biche dans la tête de l'autre con. Tout en marche arrière, la 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 la, trop de swag. Can I help you? Job sent me. Wants to ask a favor of you. We got a big trade going down with them folks over at the ranch house. But they want some kind of neutral observer, whatever the fuck. Job figured maybe you'd put their minds at ease. What do you say? You'll get a cut of the deal, of course, provided it all goes according to plan. Nope. Pourquoi est-ce qu'il y a tous les putains d'engins de chantier de toute la putain de ville qui passe devant chez moi, sans déconner. Ok, bon, changer de perso. Oula, mais pas un truc sur elle, elle, comment ça se fait? Je vais me déposer cette merde. J'en prends le 357 maintenant. Parce que voilà. Allez, 20. Qu'est-ce que je m'en fous? Bon, alors ce que c'est cette histoire d'agent mystérieux. We got a big... I'm cool with that. Great. Here's the address. You pick up the folks at the ranch, make sure they get there okay. Mickey and Job will meet you there. Voilà. Ah. Ah, je suis mieux comme ça. For now, that's a good enough reason. It's bad enough fighting Zeds. I don't want to fight the Wilkersons, too. Okay. It's your call. For the record, if this turns out to be a trap, I'm totally claiming I told you so rights for a week. Also, you're on cleanup duty. Have fun! En gros, je vais surveiller un espèce d'échange parce qu'il voulait, le mec voulait un observateur en mode. Et bah, Miss Radio me dit que elle trouve ça louche, on s'occupe beaucoup trop des mecs qui sont des espèces de mafieux dans le style, des mafieux cambroussiens qu'on va dire. Et elle dit si c'est un piège, tu fais la corvée de ménage pendant une semaine. Si tu veux. M'en fous, j'ai un 357 Magnum. Moi je tire là où il y a, là où la balle passe, c'est un cratère. Rien à foutre. Oh là là.
coup de feu qui sert vachement. Ça se passe. You're the one the Wilkerson sent? That's right. Follow me. Huh. Didn't figure you for Job's cronies. Always heard you folks were decent sorts. I'm just here to make sure the trade goes nice. On va pas avancer plus vite les voitures. Bah, c'est pas franchement des voitures de course dans ce jeu en général. Donc là tu peux prendre toute la famille dans cette voiture là. Ouais. Papa, maman, tonton, tata, le hamster, le chat. Oh. You got what we asked for? It's all right here. Hope you brought something worthwhile. It ain't wise to cross me. Here you go, as promised. Well, that just about ought to do it. Appreciate you taking care of this for us. Now why don't you run along? C'est bien passé. Hector est mort, Alexa est mort, Sabrina est mort, tous les mecs que j'ai emmenés sont morts. Sans déconner. Bon. Je pense que je vais devoir tuer ces mecs et puis c'est tout. C'est bon, munitions de la part de Wix. Ah, il me file des balles. Je pense qu'effectivement, il faudrait que j'arrête de les aider ceux-là puis que je lise plus souvent le texte. Je crois que j'ai dû rater un truc. Bah, ils sont pas super... C'est pas le genre de personne conseillée lors d'un attaque zombie, quoi. Qu'est-ce qu'il raconte, Jean-Claude ? J'arrive pas à lire, bien, non, je ramène l'écran. C'est quoi ça? Face aux zombies sauvages. Allez, allons-y, je suis juste à côté. Veuillez pas sur tes...